Bonjour Julien. Hello. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh bien, bon, déjà, merci beaucoup de prendre le temps pour moi, pour nous. Et puis, voilà, donc, et merci d'avoir accepté notre invitation pour donc, notre web conférence. Donc, en fait, le but de notre conférence donc, sur la reprise et la réinvention, c'est vraiment de traiter le déconfinement. Là, on commence à avoir une troisième crise qui est le social, la crise sociale qui s'annonce aux États-Unis et dans le monde. Donc, pour moi, ça serait c'est très intéressant de savoir, d'avoir un petit peu ton avis, toi qui es dans l'éducation, où à l'heure actuelle, où le job market quand même est affecté, où on peut voir en tout cas dans les médias, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que les compagnies tech, les compagnies de la Silicon Valley ont vraiment été affectées par cette crise-là ou non? Donc voilà, j'aimerais un petit peu que tu te présentes ton background qui est vraiment atypique et puis nous dire comment le Covid t'a affecté toi et a affecté Holberton School, s'il te plaît. Sure, donc moi je suis le cofondateur et le CEO de Holberton School. J'ai travaillé un petit peu en France avant de venir aux États-Unis, donc j'ai eu plusieurs casquettes. J'étais ingénieur informatique, après j'ai fait un petit peu de marketing, après j'ai fait du produit, j'ai fait du local, j'ai fait de l'international. Et après j'ai monté quelques petites boîtes. La première que j'ai fait avec Arnaud Jamin, c'était noteTonEntreprise.com en France. C'était vraiment une super aventure, un peu stressant parce que toutes les entreprises en fait m'invitaient au tribunal pour parler avec elles pour plus que je les note. Mais expérience passionnante quand même, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Ensuite, on a monté une boîte e-commerce avec plusieurs personnes. Je suis parti aux États-Unis pour attaquer le marché américain. On s'est fait racheter par une boîte anglaise. Et ensuite, je suis parti travailler dans une société qui s'appelait DotCloud, qui a pivoté ensuite sur la société Docker avec Solomon Hikes en Silicon Valley. Et ensuite, je suis parti faire cette aventure dans l'éducation. C'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et puis, comme j'en ai eu l'opportunité, en fait, on est parti avec Sylvain Kalash, mon cofondateur actuel, dans cette aventure-là. Donc, D'accord. ça fait à peu près 8 ans, 9 ans que je suis aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé un petit peu, quasiment, je dirais, un tiers de ma carrière en France et les deux tiers aux US aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé au départ à lancer ton propre business en tant qu'ingénieur informatique? C'est vrai que ce n'est pas vraiment le profil entrepreneurial, mais comment ça t'a poussé à revenir cette carrière? En fait, je ne suis pas sûr que les ingénieurs informaticiens ne soient pas vraiment destinés à créer des entreprises. Je pense qu'il y a dans la tête des gens, il y a encore cette idée que les ingénieurs ne sont pas forcément sociaux, n'ont pas forcément d'idées, etc., alors que ce n'est pas vrai. Comme je te disais juste avant, moi j'ai fait l'épithèque, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait plein de gens qui avaient plein d'idées. Et d'ailleurs, quand tu regardes les stats, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens de l'épithèque qui sont partis créer des boîtes ensuite. Et en fait, fondamentalement, en fait, quand tu es en général passionné d'informatique, en fait, ce que tu aimes faire, c'est créer des choses. Et en fait, quand tu crées ta boîte, tu crées aussi des choses. Donc, il y a plein de gens avec plein d'idées, et on vit quand même dans une ère où le numérique et la technologie, en fait, fait beaucoup avancer l'économie. C'est un peu ça qui drive en ce moment un peu tout. Ouais. La tech aujourd'hui, c'est incrusté partout dans nos vies professionnelles et personnelles. Et je pense que de vivre et de bien comprendre en fait cet outil-là permet à des gens qui sont ingénieurs aujourd'hui de créer leur boîte beaucoup plus facilement qu'il y avait il y a 20 ans. C'est vrai que j'ai remarqué, c'est vrai que les ingénieurs ont une mentalité de résoudre une solution et de résoudre un problème, en fait, de résoudre un problème. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut voir toutes les belles success stories d'ingénieurs qui n'avaient pas pour but de gagner beaucoup d'argent et de monter des boîtes internationales, mais qui, grâce à cette solution trouvée pour un problème, marche finalement. Donc, ça a du sens finalement. Avec le bon environnement, bien accompagné, en fait, tu peux vraiment faire des choses extrêmement bien avec juste ton diplôme ou même sans diplôme d'ingénieur informatique. D'ailleurs, je trouve que moi qui suis entrepreneur, mais pas ingénieur, je trouve que votre profil à vous est beaucoup plus facile dans la gestion des boîtes et dans la gestion des projets, de la manière votre esprit peut-être matheux, d'ingénieur, etc. Je trouve qu'un bon ingénieur
est un et sera un meilleur potentiellement un meilleur CEO que quelqu'un qui a un autre background? Je sais pas, parce qu'en fait, si tu veux, pour monter une boîte, il suffit pas juste d'avoir un bon produit, il faut aussi savoir le vendre, il faut aussi savoir positionner sur un marché, etc. Et quand tu regardes la psychologie du marketing et la psychologie de l'ingénierie, c'est quand même assez à l'opposé. Il y en a un qui va raconter une histoire et l'autre qui va juste se tenir au fait. Et ouais, c'est là où quand tu es très bon, en fait, ingénieur, en général, tu vois les problématiques, tu les résous, mais tu vois toujours les problèmes. Et donc, si tu vas avec ta mentalité d'ingénieur dans un meeting business et que tu dis à tout le monde, oui, mais alors en fait, il y a peut-être des problèmes là, peut-être des problèmes là, là, on n'a pas, tu vois, on n'a pas fait les tests à fond, tu ne vas jamais vendre. D'un autre côté, quand tu vois le commercial ou le marketing qui va te dire, ah, mais c'est génial, le produit est extraordinaire, ça va être la révolution, tu en as besoin pour vendre. Mais si derrière, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Donc, il faut savoir faire les deux et c'est honnêtement pas forcément évident de trouver… De trouver cette mentalité en fait assez ancrée dans le cerveau d'une même personne. Et c'est souvent pour cette raison que tu vois qu'on voit souvent dans les startups ou dans les boîtes même qui ont bien réussi, il y a souvent un cofondateur technique et un cofondateur non technique. Ouais. Qui en général en fait se complémente exactement. Ouais. Et tu as besoin des deux aujourd'hui parce que pour faire une boîte qui va croître rapidement, alors évidemment c'est pas toutes les boîtes, mais aujourd'hui, dans un monde très technologique, tu as besoin d'un cofondateur technique. Et si tu ne l'as pas, ça va vraiment être très compliqué pour toi de croître rapidement. Parce qu'en plus, tu ne vas pas avoir quelqu'un à ton niveau que tu vas pouvoir truster, qui comprend en fait ces problématiques techniques qui sont très, très loin de si tu n'es pas du tout technique, de ce que toi, tu connais donc ton monde du business classique. Et en fait, il y a vraiment besoin des deux. Et souvent, en fait, la formule, c'est d'avoir les deux partenaires qui se complètent de cette manière-là. C'est très dur hein, de trouver un bon CTO, un CTO de ce nom-là. Je trouve ça compliqué. C'est très dur parce qu'aujourd'hui, sur le marché, en fait, vu que le monde en fait, se numérise et que là, avec ce qui s'est passé, ça va aller encore plus vite, en fait, il y a une énorme pénurie d'ingénieurs informatiques. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a créé Holberton, pour pouvoir à la fois donner accès aux gens qui n'ont pas forcément un accès à ce domaine et cette expertise de pouvoir avoir accès à ça. Et de l'autre côté, pouvoir nourrir en fait les entreprises qui ont besoin de ces talents-là pour pouvoir croître. Et aujourd'hui, trouver des ingénieurs, c'est extrêmement dur. Donc, trouver des ingénieurs de niveau CTO qui ont l'expérience requise pour ton produit précis, c'est encore plus dur. Donc ouais, c'est super dur, c'est très très dur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Holberton propose donc une scolarité qui est donc gratuite à l'inscription, c'est ça ? Alors, c'est pas gratuit parce qu'en fait, c'est une scolarité où en fait, et ça dépend en fait aussi des pays dans lesquels on est parce qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes produits financiers. Aujourd'hui, aux États-Unis, les gens ne payent pas avant ni pendant, mais seulement une fois qu'ils ont trouvé un boulot. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ce qui permet déjà, ce qui enlève déjà la barrière immédiate de financement pour faire ses études. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir de bac, de licence pour intégrer donc votre école, c'est ça ? Il n'y a pas besoin d'avoir aucun diplôme. Encore une fois, ça dépend des pays parce que maintenant, on est quand même dans beaucoup, beaucoup de pays. Aux États-Unis, pour reprendre l'exemple. Vous en avez 8 ou 9, je crois ? Là, on a 11 écoles annoncées. Wow. Il y en a plus qui arrivent. Mais oui, on est présent sur 4 continents aujourd'hui. Ouais. Et en fait, en fonction de chaque pays, en fait, tu te rends compte que les problèmes d'accessibilité, les problèmes de diversité, c'est aussi vachement culturel. Par exemple, aux États-Unis, les problèmes de diversité sont vraiment ancrés sur les problématiques de race. Ici, c'est tu es dans une case, tu es afro-américain, tu as des cases comme ça. En Colombie, c'est des strates, ce qu'ils appellent des stradas. Dans d'autres pays, c'est encore différent. En France, par exemple, on n'a pas le droit de mettre les gens dans des cases pour des problèmes culturels qui se comprennent aussi. Donc, c'est la façon dont on résout l'accessibilité et cette problématique d'accès à des bons jobs pour les minorités n'est pas du tout la même. Et il faut que tu t'adaptes en fait à la culture du pays. Parce que souvent, en fait, tu arrives avec tes concepts culturels qui sont extrêmement différents de celui du pays dans lequel tu vas. Et tu vois aujourd'hui ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.
quand tu creuses un petit peu, en fait, la façon dont on parle de la diversité aux États-Unis est extrêmement différente de la façon dont on parle de la diversité en France. Voilà, donc c'est donc en fonction aussi des pays, donc tu as cette problématique qui est super importante pour nous. Tu as aussi l'autre problématique qui est au niveau financier, comment tu fais? Donc aux États-Unis, il y a ce produit qui s'appelle l'ISA, Income Share Agreement, qui nous permet de dire aux étudiants, tu ne payes rien avant ni pendant, mais tu payes après. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, même ça, ce n'est pas suffisant parce que en fait, aujourd'hui en France, on ne se rend pas compte, mais en fait, on a énormément d'aides sociales. Quand tu vas à l'université, ça ne coûte pas cher. Et ce qui ne coûte pas cher surtout, c'est la couverture santé. Oui, ouais, complètement. Donc, quand tu vas à l'université, tu payes à la fois ta couverture santé et ton année, quelques centaines d'euros. Ici, c'est déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars par an juste pour la scolarité. Mais après, tu as quand même des problématiques de couverture santé. Donc, c'est extrêmement difficile, même pour les Américains aujourd'hui, d'aller dans une école, même si tu ne payes pas upfront, parce qu'au final, il faut quand même que tu as tous les coûts de la vie, tu as tous les coûts de la couverture santé que tu n'as pas du tout aux États-Unis. Donc, un des trucs qu'on a fait, on a commencé en janvier cette année, donc quand même plusieurs années après qu'on ait lancé Holbarton, c'est qu'en fait, on a lancé une école à Tulsa, en Oklahoma, où le prix de la vie est quand même beaucoup moins cher qu'à San Francisco, parce que c'était une des problématiques qu'on avait. Et en plus de ça, on a des bourses où on paye les gens pour aller à l'école. Et si tu restes à Tulsa, tu ne rembourseras jamais cette somme-là. D'accord, ok. Donc, c'est les bourses, par exemple, de vos compagnies partenaires de la Silicon Valley qui financent l'éducation. Non. Alors, ce n'est pas la Silicon Valley. On est en partenariat avec plusieurs non-profits, dont la Schusterman Foundation à Tulsa et la JKFF Foundation à Tulsa. Et c'est elle qui paye ses living stipends. Et quand ils pensent aujourd'hui, avec les millions de personnes qui sont sans emploi, on va te payer pour aller à l'école, c'est juste extraordinaire, quoi. Et en fait, on a appris quand même pas mal de choses en faisant ça. Quand on a commencé à San Francisco, on s'est dit c'est le cœur de la tech, il faut absolument qu'on soit là. Je pense que c'était la bonne décision. Mais sur le point de vue accessibilité, en fait, c'est vraiment compliqué parce que c'est une ville qui coûte très, 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 très cher. Donc, si par exemple demain on allait en France, je ne pense pas qu'on commencerait par Paris. Parce qu'au point de vue accessibilité, ça coûte très cher Paris. Donc, je pense qu'on fera Paris. Mais si on allait en France par exemple demain, on ne fera sûrement pas Paris en premier, pour cette raison-là. Et comment vous choisissez vos pays? Est-ce que c'est par rapport au nombre de demandes d'études en ingénierie informatique? Comment vous choisissez vos marchés? Alors, en fait, si tu veux, si on faisait par rapport à la demande en ingénieur en informatique, on pourrait ouvrir partout tout de suite parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui crée assez d'ingénieurs pour leurs propres besoins. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre des talents et que les prix, entre guillemets, pas le prix de l'ingénieur, mais les salaires des ingénieurs, pardon, en fait, augmentent constamment. Et vraiment, le pire du pire, c'est en Silicon Valley où les gens sont payés des sommes exorbitantes. Donc, c'est compliqué pour les petites boîtes justement de se lancer parce qu'elles vont être en compétition avec des boîtes comme Amazon, comme Google, comme Facebook, qui vont doubler ton salaire. En plus de ça, tu as des perks, donc tu manges à volonté gratuitement, tu as ta coupe de cheveux gratuitement, tous les trucs que tu peux imaginer, ça existe. Donc ça c'est super compliqué, mais en France, on voit la même chose. Moi, quand je suis parti de France, avoir un salaire à 35, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, moi, j'entends plein de gens qui sortent de 42 ou de Epitech qui sont payés 40 000. Ouais, d'accord. Et c'est énorme. Et y a une grosse guerre de talents en ce moment dans les grosses boîtes tech françaises et européennes. Et c'est normal. Et ça va continuer. Et ça va s'amplifier avec ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, on va peut-être enchaîner sur Holbarton. Quelles ont été les conséquences de Covid-19, de cette crise sanitaire, économique et maintenant sociale? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de lay-off, de termination de tes anciens étudiants? Est-ce que des employés dans la tech? Tu vois le futur des ingénieurs en ce moment? Alors, alors, en fait, il y a plein de questions dans ta question. Oui. Pour Holbarton, on voit pas de lay-off significatif parmi nos étudiants. Je pense que la chance qu'on a, c'est que, en fait, on est très,
En fait, si tu veux, quand tu compares ce que notre éducation avec celle des autres, on est vachement plus en phase avec ce que demande le marché. Et nos étudiants, ils ont en général un niveau supérieur à ce que fait le marché aujourd'hui quand tu sors de l'école. Donc, les gens qui sont capables d'avoir ce background-là, on leur apprend à apprendre, donc ils sont toujours en phase avec le marché, ils vont très très vite dans les nouvelles technologies. Ça veut dire qu'ils grandissent beaucoup plus vite qu'un ingénieur, entre guillemets, classique qui sort de l'université ou d'un bootcamp de 3 mois, alors on n'en parle même pas. Donc, en fait, si tu veux, on ne voit pas beaucoup d'incidence là-dessus. Maintenant, aux États-Unis, on n'est pas non plus à un scale où on a 100 000 étudiants par an. Donc, est-ce que c'est représentatif? Non. Quand tu regardes, en fait, quand tu prends un step back et tu regardes, en fait, les layoffs qui se font aujourd'hui aux États-Unis, et je suis désolé, j'ai aucune data sur l'Europe, la grande majeure partie des gens qui sont aujourd'hui sans emploi, ce sont des gens qui étaient livreurs de pizza, chauffeurs Uber, serveurs, qui sont énormément de jobs qui existent aux États-Unis et qui sont extrêmement précaires. Extrêmement précaire. Et en fait, ça, c'est un sujet aussi qui est aussi intéressant parce que en Europe, en France en tout cas, on a vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des États-Unis, c'est vraiment le modèle à suivre. Ah oui, il n'y a pas d'unemployment, ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et puis tu vois une petite crise et tu vois 30 millions de personnes à la rue en 2 mois, quoi. Et en France, si tu veux, alors en France, évidemment qu'il y a un impact. Mais en fait, on a quand même cette culture en France et en Europe d'une culture un peu plus sociale que les Américains. Et je ne pense pas qu'il faille s'en détacher pour aller à tout prix faire la culture américaine de l'économie à tout prix, de l'argent à tout prix. Parce que tout est argent ici. Tout est argent. Tout est transaction financière, y compris l'éducation. Et c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes. En France, ce n'est pas le cas. Alors évidemment, ce n'est pas parfait la France. Mais la France, c'est un pays extraordinaire pour ça, quoi. Ça, c'est une valeur absolument extraordinaire qu'on a. Et il faut double down dessus, il faut pas genre l'éroder au fur et à mesure, quoi. Il faut double down dessus, et ça va avec, ça devrait aller avec plein de choses qui devraient changer un petit peu, mais il faut arrêter d'avoir ce complexe d'infériorité par rapport aux États-Unis. On n'arrivera pas, en fait, si tu veux, c'est leur terrain de guerre, et je dis de guerre parce que c'est comme ça qu'ils pensent. C'est leur terrain de guerre, ils pensent que Monopoly, guerre, c'est les Américains, et ça marche très bien, l'économie marche très très bien pour cette raison-là. Nous, on marche un peu moins bien parce que je pense. Alors, l'économie, c'est évidemment, c'est important. Il ne faut pas dire oui, machin, ceci, cela. Mais on a des atouts extraordinaires. Et il faut les cultiver. Et quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, qui critiquent beaucoup la France. Oui, la France. Alors attendez, vous avez des gens qui sont au chômage, vous les payez des sommes extraordinaires. Des fois, ils gagnent plus d'argent. Du coup, ils vont pas bosser. Combien de fois j'ai entendu cette histoire aux États-Unis? Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, ils leur envoient un chèque tous les mois. Et il y a énormément de personnes, comme ce sont des gens qui gagnaient très très peu d'argent, énormément de personnes qui gagnent encore plus d'argent qu'ils gagnaient avant. Donc en fait, il a fallu qu'il y ait une crise sanitaire extraordinaire pour en fait que les Américains, alors là, ils nous disent plus rien, hein, que les Américains se disent, ah bah attends, en fait, les gens, c'est peut-être important, en fait. Ce côté social est peut-être important. Et nous, on a cette culture-là depuis le début, et il faut qu'on la cultive, et il faut qu'on arrête de se comparer en fait au marché américain. On gagnera jamais contre les Chinois, on gagnera jamais contre les Américains à leur propre jeu. C'est eux les meilleurs là-dedans, c'est eux qui font les règles. On peut pas gagner avec les mêmes règles des gagnants, c'est pas possible. Et nous, on a d'autres ressources, on a une autre histoire, on a des atouts qui sont extraordinaires. Il faut pas les éroder parce qu'on veut faire pareil. Alors, en fait, j'ai complètement digressé. Mais vas-y, à toi la parole. Non, je partage entièrement ton avis sur ça. Tu sais, c'est très rigolo parce que moi, j'ai quitté les États-Unis en 2006 pour ces raisons-là. J'ai quitté la France en 2006 pour ces raisons-là, pour aller vivre dans une société capitaliste. Je pensais que c'était ça qui me correspondait le mieux. Alors peut-être, mais après pratiquement presque 15 ans d'ici, je me rends compte que si jamais je devais choisir un jour entre deux sociétés, je choisirais plutôt un système plutôt français, où on est plus basé où l'humain est important quand même, le facteur humain est très important. Exactement. Et il y a des choses à apprendre des deux côtés, en fait. Il n'y a aucune culture qui est parfaite, mais en fait, si tu veux, faut pas faire tout d'un côté ou tout de l'autre. En fait, en général, les extrêmes sont jamais bons. Mais Ouais, exactement. il y a quand même des choses à apprendre du côté américain, cette force, cette volonté de gagner, cette positivité que tu entends tout le temps, c'est une de Ouais. leurs grandes forces, hein.
Mais nous, on a aussi des forces. Il faut, en fait, si tu veux, regarde, je donne toujours, on en parlait de l'ingénieur tout à l'heure. Je donne toujours cet exemple de l'entrepreneur, la différence entre l'entrepreneur français et l'entrepreneur américain. Ouais. L'entrepreneur américain, l'entrepreneur français, tu vois, la psychologie de la personne française, quand tu vas lui dire, OK, tu prends une table, tu prends ton téléphone et tu bouges le téléphone, tu l'avances petit à petit jusqu'au bord de la table. Okay? Et à un moment donné, il va tomber. Et tu vas demander au Français, tu vas dire, quand est-ce qu'il va tomber le téléphone? Et le mec, il va te dire, OK, alors je vais prendre le poids du téléphone, la force de frottement de la table, tout ce que tu peux imaginer, et il va te tracer la ligne exacte du point à partir duquel le téléphone va flipper et va tomber. Et l'Américain, il va pousser le téléphone, il va dire, bon voilà, c'est à peu près là. C'est vrai. Et en fait, si tu veux, tu peux critiquer les deux solutions. Mais en fait, en fonction du contexte, il y en a une qui est meilleure que l'autre, en fonction du contexte. Et en fait, ça en dit beaucoup sur la différence de culture des deux pays, où en fait, en France, on est très critique. Et en fait, c'est extrêmement bien pour créer une culture d'ingénierie. Parce que tu vas avoir le problème tout de suite. OK? Par contre, on te critiquera, même quand tu as des idées qui sont un petit peu grandes ou saugrenues, ou tout. Non, mais n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Mais t'es qui pour parler de ça? Fais déjà un petit truc, et après, tu verras si tu peux parler grand. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup plus de mal à prendre la parole, à parler de nos rêves, à parler en public, parce que tu sais que tu vas être critiqué, c'est compliqué pour toi, donc t'oses pas. Et donc du coup, ça donne une culture vraiment d'ingénierie. Et en fait, quand tu regardes, en fait, les ingénieurs et les mathématiciens français sont hyper prisés dans le monde. Ah, complètement. Et la culture américaine, c'est je m'en fous, j'y vais, j'ai une ligne droite, ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On ne pense pas à tous les détails, etc. Et ça donne quoi? Ça donne des boîtes comme Snapchat où tu dirais, bon, bah, les mecs, ils prenaient leur zizi en photo et puis tu te dis, t'aurais parié là-dessus, quoi, je sais pas. Et le mec, avec une idée complètement folle, il a fait, oh, je m'en fous, OZEF, hein. Tu sais, On y va. Et y puis a on un, se. y a, y a un seul point qui, en fait, c'est pour moi, c'est le point déclencheur, c'est l'approche de l'échec, parce que qui est totalement différent entre aux États-Unis et la France. Parce que l'échec n'a pas vraiment d'importance aux États-Unis. Par contre, en France, t'échoues ta première. Moi, par exemple, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait aux États-Unis en France. Je pense que je me serais jamais repris. Tu vois, j'aurais jamais surmonté la première échec de l'entreprise. Comment les gens te voient après un premier échec d'une boîte, etc. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Alors en fait, si tu avais, en fait, tu aurais trouvé un moyen parce que tu es entrepreneur. Et en fait, c'est ça la vérité. Ça peut être Mais dur, c'est hein. vrai qu'on a une culture de l'échec qui est un peu différente. Et c'est en fait, si tu veux, les deux sont du bullshit. Parce qu'il y en a un qui te dit, ah, t'as fait de la merde, c'est fini, plus jamais j'investirai sur toi, etc. Et franchement, honnêtement, c'est vraiment en train de changer. En France, quand je suis parti il y a un peu moins de 10 ans, c'était vraiment ça. Maintenant, quand je reviens et que je parle avec les gens, ça a vraiment changé ça. Moi, je trouve en tout cas. Aux États-Unis, c'est ouais, Failing, c'est génial, c'est awesome. Non, 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 mais non. Arrête. Failing, c'est pas du tout awesome, quoi. T'as pas envie de failer, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, il y a vraiment du bullshit des deux côtés. Et tu vois, c'est l'ingénieur qui va te dire, oui, mais alors t'as failé, mais alors du coup, la probabilité, la statistique que tu refailles encore, machin. L'autre qui te dit, oh, c'est génial, tu vois, il te dépeint un truc extraordinaire d'un truc qui, en fait, non, t'as pas envie d'échouer. C'est n'importe quoi, t'as pas envie d'échouer. Personne n'a envie d'échouer. Et maintenant, en fait, la vérité, c'est quoi? C'est bah, tu regardes, tu prends un step back et tu te dis, OK, les gens en général admirent, n'importe qui, ils ont pas créé leur première boîte et ça a été une boîte à 1 milliard. Et ou alors, ils n'ont pas créé leur première boîte et ça a été tout de suite. Quand tu regardes, bah, regarde Docker, qui est une histoire un peu franco-américaine. Genre, Salomon, il n'a pas du jour au lendemain fait Docker comme ça et ça a fait 1 milliard. Non, il a galéré pendant des années et après, ça a marché. Et il a pivoté entre-temps, plusieurs fois. Donc, ça, en fait, si tu veux, sa première boîte, elle n'a pas marché. Donc, c'est. Voilà, et quand tu regardes aujourd'hui, alors moi, je ne sais pas si je suis très successful, mais bon, je suis arrivé là où je suis, pas parce qu'en ligne droite. Enfin, si tu veux, ma première boîte, c'était notre entreprise. On l'a créée parce que, en fait, nos avocats nous ont dit, attention, ils vont vous attaquer directement, il faut créer une boîte. Avec Arnaud, on s'est dit, ah bon, d'accord, bon, bah, on va créer une boîte alors, ok. Est-ce que ça a été un échec ou pas? Et après, c'est aussi une question de mentalité. C'est comment tu prends l'échec, quoi? Bah, on a dû fermer notre entreprise, on a dû le vendre. On ne voulait pas la vendre, mais on a dû le vendre parce qu'en fait, on avait une dette d'avocat qui était juste, on n'avait pas d'argent, quoi. On ne pouvait plus les payer. Donc on a vendu le truc et puis voilà, c'était fini.
Donc, on dit, ah putain, c'est un putain d'échec, quoi. Et en même temps, bah non, parce qu'en fait, en même temps, tu as appris plein de choses. Donc, en fait, la culture de l'échec, c'est aussi une mentalité, c'est comment tu analyses ton truc. Ouais, ouais. Tu vois, tu vas perdre un deal demain, putain, j'ai échoué. Non, peut-être que tu n'as pas échoué, peut-être que juste, en fait, tu as appris tellement de choses grâce à ça, qu'en fait, tu vas faire les 10 next deals en fait, bien meilleurs et que, en fait, ça va propulser ta boîte. Et souvent, c'est ça. En fait, si tu regardes, là, juste je te donne un exemple vécu. Nous, quand on a levé l'argent avec Sylvain pour Holberton, le premier round, le seed round, on n'a rien eu à faire, mais du tout. On n'a même pas demandé. Moi, j'ai quitté Docker. Tu as levé en France. Un investisseur de Docker. Pardon ? Tu as levé en France ou aux États-Unis ? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, moi, j'étais à Docker juste avant. J'ai annoncé que je partais. Il y a un investisseur qui est venu, qui a pris sa voiture, qui est venu me voir le jour même et qui m'a dit, tiens, voilà un chèque de 1 million, fais ce que tu veux avec. Waouh. Tu te dis, putain, c'est un énorme succès, c'est génial. Alors, only in the US, hein, attention. Ouais. Mais tu te dis, c'est génial, mais en même temps, ben, en fait, on n'a rien appris. Ouais. Et en fait, pour le rendre d'après, ben, on s'est pris une grosse claque. Ah, putain, en fait, c'est pas si facile que ça, merde. Donc, en fait, il faut faire attention. Et alors, je pense que c'est aussi une question de... L'échec, que ce soit une entreprise ou dans la vie, en fait, il faut avoir une culture où t'es heureux avec ce que t'as. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. En fait, on est très chanceux en général. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas à la même hauteur. Mais globalement, en fait, on vit dans un pays où il n'y a pas la guerre. En général, la plupart des gens que je connais sont quand même en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Moi, je suis heureux, c'est tout, quoi. Et évidemment, j'ai envie de faire quelque chose de grand. J'ai envie de, tu vois, que ma boîte, elle soit super successful, mais... Bah, on aide les gens à Holberton. Pour moi, c'est déjà un succès. Même si demain, on devait fermer, on ne peut pas perdre. On peut pas perdre. Sauf si tu as la mentalité de dire « Ah non, machin, nanana, nanana. » C'est aussi une question de mentalité, savoir en fait profiter aussi juste de la vie, quoi. C'est quoi la vie, quoi ? Faire de ce que l'on a, se satisfaire de ce que l'on a. Mais je pense que cette période de 3 mois de confinement dans le monde, ça a permis à beaucoup de gens de réaliser et de se dire finalement « Je ne suis pas si mal, quoi. » Je me plaignais. Mais... Ah, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est hyper compliqué. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué pour tout le monde. Ouais. D'être cloîtré chez soi, ça fait 2 mois et demi. Ouais. Franchement, c'est dur, quoi. Même pour les enfants, c'est super dur. Les enfants, ils ont 3 ans et 5 ans. C'est dur, quoi. Et puis en plus, nous, on travaille de la maison avec les enfants. Je peux te dire que c'est sportif, quoi. Mais psychologiquement, en fait, si tu veux, on n'est pas fait pour être enfermé. Hein. Donc psychologiquement, il y a beaucoup de gens, ça se passe pas très bien. Quand tu regardes les stats, il y a énormément de gens qui divorcent en ce moment. Exactement. Ben alors, du coup, j'anticipe une de mes prochaines questions. Que penses-tu du télétravail ? Est-ce que tu penses que les compagnies, d'une manière générale, mais aussi les compagnies tech, vont commencer à employer des gens en télétravail et ne vont plus les faire revenir au bureau ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais, j'ai même pas besoin de penser, en fait. Tu regardes la data, en fait, c'est déjà le cas. Hein. Donc, c'est même plus une question de. Et en fait, si tu veux, pour qu'il y ait un vrai gros mouvement du travail. Alors, je sais pas si c'est du travail à la maison ou du travail remote, parce que travail à la maison, c'est encore un sujet. C'est quoi le vrai sujet, je sais pas. Mais ne plus avoir de bureau, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a digéré. Je pense que là, en fait, il y a beaucoup de gens qui en parlaient, mais bon, la traîne était quand même assez lente. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que les boîtes tech qui en parlent. Donc, quand tu regardes même les gros mastodontes français qui ne sont pas du tout dans la tech, sont en train d'annoncer aussi qu'en fait, bon, tu n'auras plus besoin de venir au bureau si tu ne veux pas, quoi. Et en fait, si tu regardes les… Alors, on n'a pas encore de stats super précises, mais les gens avec qui je parle en général, ils me disent entre 60% et 80% des gens avec qui on bosse en remote, ça marche et les autres, ça ne marche pas. Ceux avec qui ça ne marche pas, ils vont tous se faire virer. Parce que bah, c'est des gens qui ont plus de mal à mettre une structure autour d'eux, c'est des gens qui profitent aussi peut-être un petit peu du système que bah, tu ne bois pas, donc machin. La grosse différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu as des outils de tracking. Alors, dans la tech, c'est super simple, hein, parce qu'en fait, tu as un objectif, tu regardes sur ton GitHub, est-ce que ça marche, tu vois si les gens ils ont commis, tu vois leur boulot. Mais aujourd'hui, tu as plus d'outils de tracking, entre guillemets, sur tous les métiers. Donc, quand tu regardes en fait, le prix que tu payes pour tes locaux, bah, sur des grosses boîtes, ça fait des économies énormes. Et puis en plus, honnêtement, pour des boîtes qui pensent juste finance et bottom line,
ça a aucun sens d'avoir tout ça, quoi. Et puis, c'est plus facile de virer les gens après quand tu les connais pas et quand t'as pas tout ça. En termes de performance, vous voyez, tu penses pas que les employés perdent en performance d'une manière générale sur une équipe de 1000, 2000, 3000 personnes? Tu penses pas qu'il y a une perte de performance? Ça dépend. Encore une fois, ça dépend des gens. Tu as des gens qui surperforment et tu as des gens qui sous-performent. Et ces gens qui sous-performent, en fait, il va falloir, je pense, un petit peu les rééduquer parce que c'est eux qui vont être les premiers à sauter. Et faut faire attention parce que tu as des gens qui ne supportent pas ça non plus. Hein. Faut faire attention. Hein. C'est comme avec l'éducation. Tu as des gens qui aiment bien le online, tu as des gens qui n'aiment pas le online. Donc, je pense que la réponse, c'est faire les deux. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu vas être sur une problématique d'accès en fait, au meilleur, en fait, tu vas être obligé d'avoir des bureaux pour les gens qui veulent aller au bureau parce que sinon, ils ne viendront pas dans ta boîte. Donc, ça va être un truc, je pense, un peu hybride. Tu vois, par exemple, Facebook, je crois qu'ils ont dit bon, les seniors, ils peuvent travailler de chez eux, mais pas les juniors pour pouvoir les encadrer un peu plus. Et je pense qu'on va se diriger un petit peu plus, un peu plus là-dessus, quoi. Ouais. Et alors, une petite question aussi, qu'est-ce que tu penses de… Ça a fait un bruit fou, la manière dont Uber s'est séparé de ses employés. C'est compliqué parce que quand tu gères une boîte, tu es toujours critiqué pour tous tes moves, quoi. Ouais. À un moment donné, quand tu dois sauver la boîte, alors ouais, tu te sépares de quelques employés. Alors, c'était beaucoup, mais c'est mieux ça que de tous. Je crois que c'est surtout la forme, tu sais, le Zoom… avec, je ne sais plus, 2500 ou 3000 personnes en même temps. C'est les États-Unis, c'est une culture encore différente de la France. Ça n'aurait pas été possible en France, hein, je crois, de faire ça. Hein. Je ne sais pas si légalement c'est possible ou pas, j'en sais rien, mais je pense que ça aurait choqué un peu plus les gens. Je ne pense pas que ça ait choqué grand monde aux États-Unis. Je n'ai pas vu un seul article sur le fait qu'ils se soient fait virer par Zoom. De toute manière, la problématique, c'est que tu n'as pas le choix. Comment tu fais? Tu n'as même pas le droit de sortir de chez toi. Donc, comment tu fais? Ça ne sert à rien. Donc, tu veux faire du one-on-one? Ok, peut-être que tu auras moins de headlines, mais en vérité, ça ne change rien. Ça change rien. Donc, quand tu es une petite boîte, tu peux faire des one-on-one. Après, je pense qu'il faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas un fan de Uber et de la culture Uber, attention. Mais en vérité, personnellement, ça ne me choque pas. Alors, peut-être que je suis trop américanisé, mais tu auras fait comment autrement, en fait? Comment tu fais? Tu attends que le déconfinement et puis tu vas leur parler un par un? Non, et puis c'est pas. Si tu veux, ça a toujours été dans la culture américaine. Les trucs où tu as un téléphone et puis tu as tout le monde dans une salle et puis c'est même pas le mec de la boîte qui te le dit, c'est une boîte qu'ils ont engagée pour virer tout le monde. Ça existe depuis des années ici. Non. Donc, c'est pas vraiment choquant, quoi. Enfin, moi, ça me choque pas. Alors, maintenant, sur l'éducation d'une manière générale, la higher education, est-ce que tu penses que l'éducation traditionnelle, donc en campus, il se pourrait que ça disparaisse et que l'éducation totalement en ligne prenne le dessus. On voit, enfin, je veux dire, là, on se rend compte que finalement, bon, déjà, l'éducation est un petit peu dinosaure, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, que les Ivy League n'étaient pas du tout prêts à être convertis 100% en ligne, mais qui doivent commencer à s'habituer à pouvoir performer tout un programme en ligne. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un switch, que la majorité des personnes vont vouloir avoir une éducation en ligne et par le coût et aussi par la simplicité et la flexibilité du programme ou non? Alors, il y a deux points différents dans ta question. Encore une fois, je pense que tu as l'éducation traditionnelle et l'éducation en ligne. L'éducation traditionnelle, elle va devoir évoluer, il n'y aura pas le choix, si elle le peut. L'éducation traditionnelle, c'est un prof, des gens qui apprennent par cœur et qui récitent pendant leurs examens, en gros. Hein. L'éducation non traditionnelle, ça peut prendre plein de formes. Donc nous, ce qu'on a, c'est que on est vraiment sur, on fait pas de mémorisation, on est vraiment sur comment tu fais pour résoudre un problème. Et la solution, à la limite, on s'en fiche. L'important, c'est ce chemin-là. Après, on est sur le learning how to learn. Donc ça, c'est comment tu fais pour être sûr que bah, c'est cool que tu aies appris un job entre guillemets, mais comment tu fais après pour tout le temps être relevant sur le marché de demain? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels vont être les jobs de demain. C'est impossible à savoir, il n'y a personne qui sait. Donc, le apprendre à apprendre est extrêmement important. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas traditionnel.
Ce qu'on appelle le peer-to-peer learning, c'est aussi pas quelque chose forcément de très traditionnel. Même si, en fait, c'est quand même un petit peu implémenté un petit peu partout aujourd'hui dans les écoles, mais à échelle vraiment très réduite, quand tu fais du travail en groupe, etc. Donc ça, c'est un point. Après, sur la méthode de delivery, donc c'est est-ce que c'est on-site, est-ce que c'est online, je pense que les deux vont avoir les deux vont avoir en fait des gens qui vont vouloir les utiliser. Ça va dépendre vraiment des personnalités de chacun. On a toujours tendance en fait à vouloir mettre en fait les gens dans des cases et ah oui, il n'y a qu'une seule case. Et jusqu'ici en fait, avec une seule case, en gros, c'était éducation traditionnelle, rote memorization et puis c'est tout quoi. Point final. Et c'est en campus. Très bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Est-ce que ça va disparaître? Je ne pense pas. Ça marche pour certaines personnes. Ça marche pour plein de monde, en fait. Mais il y a aussi plein de monde pour lesquels ça ne marche pas. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Et je pense qu'on va gagner dans l'éducation, pas avec Holberton, mais avec la somme de plein d'autres écoles. En fonction de qui tu es, tu vas avoir un chemin différent que tu pourras choisir en fonction de tes besoins, de ton contexte. Ton contexte social, financier, de l'intensité du programme. C'est ça, en fait, il faut proposer plus d'options pour les gens parce que tout le monde n'est pas identique. Donc, il y a des gens qui vont très, très bien, ça va très, très bien marcher sur l'online et des gens sur lesquels ça ne va pas du tout marcher et ils iront sur leur campus. Après, sur le long terme, sur l'éducation traditionnelle des universités, je pense que les meilleurs vont survivre très, très bien et que en campus, ce sera toujours la majorité de leurs effectifs, parce que en fait, quand tu vas à Harvard, tu vas pas forcément pour les cours. La grosse valeur de ces universités là, c'est que tu vas connaître le prochain CEO de General Electric et le prochain CEO de telle ou telle énorme boîte. Donc en fait, la valeur que tu as, elle est plus sur le campus que dans les cours, parce qu'en fait, un cours de MBA à Harvard, c'est le même que la cours de MBA de n'importe quelle école en France. C'est la même chose, hein, c'est le même contenu. Juste par contre, la valeur que tu en retiens, ce n'est pas la même. Donc, c'est Ivy League, comme tu les appelles, ces top universités, elles vont rester là et je ne pense pas qu'elles auront besoin de changer. Les autres, elles n'auront pas le choix. Donc, soit elles vont mourir, soit elles vont disparaître, soit elles vont passer en ligne parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et après, tu as un autre angle de vision là-dessus. C'est cool parce que dans les villes, tu as plein de choses, mais dans les campagnes. Les campagnes, ça représente plus de la moitié de la population mondiale. Tu ne vas jamais avoir une école qui va se créer en plein milieu de nulle part. Ça n'a pas de sens. Parce que financièrement, ça n'a pas de sens. Ces gens-là, comment ils vont faire pour s'éduquer? S'il n'y a pas des cours de qualité en ligne, ils vont devoir bouger sur Paris. Mais ça coûte cher. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Les parents ne peuvent pas payer... un appartement en plus pour leurs enfants. Donc, aux États-Unis, tu as cette culture de vivre à crédit et les gens, ils investissent toutes leurs économies et ils s'endettent sur des dizaines et des dizaines d'années, voire jusqu'à la fin de leur vie pour aller à l'université. Je ne pense pas que ce soit culturellement quelque chose d'acceptable en France. Moi, quand je suis fait Epitech, j'ai fait un emprunt. Bon, mais je n'ai pas fait un emprunt. Mais tu vois, je prenais le bus tous les jours. Je prenais le premier bus et le dernier bus pour revenir. Mais tu vois, mes parents, ils n'auraient jamais pu, et je ne pense pas qu'on aurait pu avoir un crédit non plus pour me payer en plus le logement. Ouais. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Je pense que l'éducation, on gagne quand on a assez d'options pour satisfaire en fait, les besoins de tout le monde à plusieurs niveaux. Et ce n'est pas juste un plan 1D ou 2D ou 3D, il y a encore plus de facteurs que ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça répond à la question. Ah ouais, très bien. Alors maintenant, je vais te poser. On a reçu des questions donc de gens qui ont écouté nos débats. Donc j'en ai une qui est assez bien pour toi. Lycéen à Bordeaux, j'aimerais savoir quels sont les métiers du futur afin de pouvoir orienter mes études. Et quels sont les métiers qui vont disparaître? C'est une super question. C'est la question à 1 milliard. Alors là. Le premier truc, c'est que personne ne sait quels seront les métiers de demain. Personne. Tous les experts vont te dire un truc, un autre, qui se contredisent totalement. La vérité, c'est que personne ne sait. Donc, on entre, si tu veux, dans une nouvelle révolution industrielle qui est vraiment l'aide par tout ce qui est technologie dans nos vies. Ça va être l'AI à tout va, ça va être tout ça. Les trends, par contre, qu'on peut regarder,
c'est que qu'on voit en ce moment, c'est que bah, en fait, c'est la tech qui va faire croître tout ça. Il y a beaucoup de biotech aussi. Aujourd'hui, c'est les trends qu'on peut voir. C'est peut-être des trends à 10 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans. Moi, si j'étais aujourd'hui un étudiant pour choisir là où je veux aller, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez et qu'on n'éduque pas assez nos enfants au collège et au lycée sur c'est quoi les métiers de demain. Les métiers de demain, c'est simple. C'est soit tu es dans la tech, mais encore mieux, je pense que si tu es plombier, demain, tu es sûr d'avoir un boulot parce que ce ne sera jamais remplacé par la tech. Ouais. Mm-hmm. Et ça, en fait, on ne le dit pas. On dit « Ah putain, t'es plombier, c'est naze. » Non, plombier, c'est un métier d'avenir. Donc, il faut passer outre en fait ce que les gens te disent, parce que dans la tête de tout le monde, c'est « Ah oui, il faut faire un bac S. » Alors, je suis désolé, je suis un peu vieux, ça a été sûrement renommé. Il faut faire un bac S, il faut faire une prépa, il faut faire machin. Non, en fait, peut-être qu'il faut faire un bac S, j'en sais rien, mais il faut arrêter d'écouter les news, il faut arrêter de regarder… Surtout, il faut écouter ce que les parents disent, mais il faut bien faire attention. C'est que nos parents sont les experts du passé. Ils ne sont pas les experts du futur. Okay? Et donc, souvent, en fait, il faut quand même… Je pense que c'est très bien d'écouter les parents, mais il faut aussi ajouter en fait, son travail à cette réflexion-là et pas juste écouter les soi-disant experts. Les experts d'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'ils sont experts aujourd'hui parce qu'ils ont été experts du passé. Ce n'est pas les experts du futur. Donc, ça, c'est hyper important. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les trends, c'est la tech, c'est que c'est des métiers hyper manuels. Que c'est la biotech, donc c'est plutôt là où moi j'irais si demain je devais choisir. Et cette question en fait elle est aussi hyper importante parce que en fait les gens aujourd'hui, et ça c'était pas le cas il y a 10 ans ou 20 ans, les étudiants aujourd'hui ils réfléchissent beaucoup plus sur l'avenir que ceux d'avant, parce que l'avant c'était je veux aller à l'école, je veux aller à l'université pour avoir une éducation, très bien, c'est vrai. Maintenant c'est plus pour un métier, ouais. Et en fait ça change tout. Et c'est aussi, et ça, on voit ça partout. Et en fait, la nouvelle génération est vachement plus responsable et elle est plus sur un retour sur investissement. Et la plupart des gens aujourd'hui vont à l'université pour avoir un bon boulot. Et ils vont pas à l'université comme il y a 10 ans pour avoir une éducation. Et en fait, c'est pas, l'un ne contredit pas l'autre, mais en fait, l'objectif n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que tu as des formations qui sont... Papa, ah, tu dis bonjour. J'ai un call avec Guillaume. Ah, il a un call avec Guillaume. Ah, il faut que tu sortes ses cartes. Allez, vous travaillez. J'arrive. J'ai un call. Alors, j'ai un call. Non, il n'y a pas de call. Zouzou, tu sors ses cartes. Allez, viens le voir. Viens, Choupinou, il y a Eliott qui arrive. Eliott, il arrive, vas-y. Allez. Il est arrivé ? Bah, dans 5 minutes, là. Allez. Oui. Donc, comme je disais, travaille à la maison. qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc désolé. Voilà, en fait, il y a un énorme changement en fait des mentalités des jeunes aujourd'hui, et c'est très bien de réflexion sur c'est quoi le futur. Et ça, c'est une super question, et il faut que plus de monde se la pose. Ben écoute, je pense qu'on a. Merci beaucoup à toi, Julien. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était assez intéressant sur l'éducation, sur les métiers d'avenir, sur la situation. Donc globalement, je suis assez content j'ai enchaîné 5 conférences sur l'économie et les startups, les finances, le monde financier. Et globalement, j'ai l'impression que nos experts sont assez optimistes sur le déroulement de la situation. Qu'on se fait beaucoup plus de mauvais sang à cause des news, de ce qui se passe, de ce qu'on lit, mais que la vraie réalité du marché est peut-être moins pessimiste. Tu partages cette opinion globalement ? Je sais pas. Je pense que les experts que t'as interviewés, si c'est des entrepreneurs, ils ont un biais qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils sont beaucoup plus positifs que le reste des gens en général. Parce que si tu n'es pas genre ultra positif quand tu es entrepreneur, en fait, bon, tu arrêtes tout de suite, hein, parce que c'est problème après problème tout le temps, quoi. Donc, je pense qu'il faut prendre aussi ce biais-là en compte. Honnêtement, moi, j'en sais rien. J'en sais rien ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, dans 10 ans. J'en ai aucune idée. Encore une fois, les métiers de demain,
on ne sait pas ce que c'est. Moi, je suis un peu plus pessimiste en général que les gens qui te disent « Oui, l'intelligence artificielle, ça ne va pas remplacer les boulots. » Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Oui, ça va en créer d'autres, ça c'est sûr. Mais la problématique, c'est que quand tu regardes l'évolution des métiers et pour arriver à ces métiers-là, à des métiers qui sont ultra techniques ou ultra… bon, ils sont très pointus. En fait, il y a de moins en moins d'accès à ces métiers-là, à ces formations-là aussi. Et c'est de plus en plus compliqué, en fait. Si tu dois avoir un QI de 120 pour aller à des métiers qui sont créés, ouais, très bien, mais personne, par définition, un QI, c'est 100, quoi. Donc, je suis un peu moins optimiste là-dessus. Honnêtement, pour être très franc, je pense que demain, c'est soit tu vas apprendre à faire les choses à la machine, soit c'est la machine qui va te dire quoi faire. Et voilà, c'est donc… Et tu as des métiers qui vont survivre plus longtemps que d'autres. Quoi. Tu vois, les gens te disent oui, les métiers, machin, ceci, cela, à faible valeur ajoutée, vont être remplacés les premiers. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les chirurgiens sont assistés par les AI et demain, ils n'auront même pas besoin de chirurgiens. Ouais. Par contre, le plombier. Ouais, c'est vrai. Le plombier, il aura beaucoup moins de problèmes. Hein. Donc, et il ne sera pas remplacé par une solution SaaS qui vient des États-Unis ou de Chine. Donc c'est important à comprendre. Alors, aussi. Un petit mot de fin pour les jeunes qui sont au lycée. On a beaucoup de lycéens, donc pour sur ma private coach, on a déjà pratiquement 30 000 utilisateurs francophones et on a quelques milliers de figure-toi de jeunes entre 15 et 22-23 ans. Qui nous suivent, donc pour divers problèmes qui sont plus ou moins graves, mais sur l'éducation et le tutoring, c'est des catégories de coaching qui sont beaucoup recherchées chez les jeunes. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire actuellement sur pour les encourager, sur ceux qui se posent des questions par rapport à leurs rêves finalement, à ce qu'ils voulaient faire Alors. Qu'est-ce que je peux leur dire? C'est compliqué en quelques mots, mais en fait, tout le monde est différent, donc il n'y a pas de règles précises. Donc ça, il faut faire aussi attention à tous les conseils qu'on vous donne. Il faut vraiment les écouter, mais il ne faut pas forcément les suivre. Ça, c'est le premier truc, c'est important. Et je pense que la personne qui sait vraiment ce qu'il faut faire, c'est vous-même. À l'intérieur, vous le savez. Et en fait, avoir des tuteurs, avoir des advice, ça vous aide en fait à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais vous êtes l'expert de vous-même. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que honnêtement, vraiment, mais ça peut paraître cliché, mais vraiment tout est possible, quoi. À partir du moment où on s'en donne les moyens. Et la plupart du temps, en fait, les gens qui vont réussir, c'est pas forcément ceux qui sont les meilleurs à l'école primaire, secondaire. C'est les gens qui vont être consistants dans leur investissement dans eux-mêmes. Dans le travail, travailler dur, c'est important. Je connais personne qui a réussi sans travailler extrêmement dur et avoir énormément de problèmes à régler tout le temps. Et aujourd'hui, en fait, on a une problématique d'éducation, entre guillemets, des médias, de la population, qui nous disent constamment, c'est facile, t'as pas besoin d'efforts, apprends le C++ en une semaine, get fit avec des abdos, plaques de chocolat en 3 semaines. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en même temps, et en fait, les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent. Une fois que tu as cette mentalité de « Ok, je suis le maître en fait, de mon avenir. » Et en fait, t'arrêtes de trouver des excuses. Quoi. « Ah, c'est pas ma faute, c'est l'économie, c'est pas ma faute, c'est mon voisin, c'est pas ma faute, c'est ma femme, mon mari. » Non. Il y a un problème, soit tu le résous, soit tu le résous pas, trouve pas d'excuses. Quoi. Et une fois que tu as ça, en fait, tu as cette mentalité-là, en fait, tu vas réussir. Et chacun, en fait, va réussir à son niveau. Quand tu pars de beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus dur. Tu peux te dire, oui, bah ouais, mais alors du coup, j'y arriverai jamais. C'est pas vrai. L'important, c'est pas d'où tu démarres, c'est là où tu vas. Et peut-être que tu n'arriveras pas au niveau de Jeff Bezos, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. La plupart du temps, en fait, on a tendance dans ce système à se comparer à tout le monde. Mais on s'en fout de tout le monde. L'important, c'est que toi, tu sois heureux, que ta famille mange, que tout le monde soit en bonne santé. C'est tout, quoi. Le reste, on s'en fiche. Et une des problématiques de cette société d'ultra-compétition, c'est qu'on a vraiment l'impression tout le temps qu'il faut toujours être le premier, le meilleur. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une compétition de 100 mètres olympiques où il y a un gagnant et un seul gagnant qui a de l'or. Non, en fait, on est,
tout le monde peut être gagnant, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gagnants. Mais les perdants, les gens qui sont perdants, c'est les gens qui partent avec une mentalité de bah, « j'y arriverai jamais, c'est pas ma faute ouais. ». Voilà. Et c'est aussi simple que ça. On parlait de l'exemple de « get fit », honnêtement. Tout le monde sait c'est quoi le secret pour être fit et être en bonne santé. Tu manges tes légumes, tu manges ton riz, tu manges tes brocolis et tu seras fit. Ouais. Et c'est tout, tu n'as pas besoin d'aller à la gym. Non, tu passes franchement 10 minutes par jour, tu manges tes légumes, tu seras fit. Ah ouais, mais par contre, c'est plus dur en fait. Tu connais la recette. Tout le monde a accès à cette recette-là. Elle est gratuite, elle ne te coûte rien. Par contre, la mentalité d'avoir cette discipline de te dire « putain, tous les jours, je vais manger mes brocolis, mon blanc de poulet et mon riz et je vais manger que ça pendant 3 mois », eh ben, qui, en fait, qui peut le faire? Si tu as cette mentalité-là, tu réussiras dans ta vie sur tout ce que tu veux faire. Si tu ne l'as pas, tu échoueras dans ta vie sur tout ce que tu veux faire. Donc, le conseil, il n'y a pas vraiment de conseil d'expert. Le conseil d'expert, c'est la vérité, c'est qu'en fait, les choses sont simples à partir du moment où tu as la bonne mentalité, que tout est possible, que c'est beaucoup plus compliqué pour certaines personnes que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. La vie n'est pas juste, elle ne sera jamais juste. Et si tu attends que la vie soit juste, tu n'y arriveras pas parce que ça n'arrivera jamais. Mais en fait, on s'en fout. Tu vois, moi, je démarre d'où je suis. Là, je suis là, bah, je suis hyper content. Je suis hyper content. Je fais un truc que j'aime, j'aide d'autres personnes, c'est ce qui me plaît, c'est cool. Si en plus, je peux faire de l'argent en même temps, c'est génial. Si j'en fais pas, c'est pas grave, j'aurais quand même réussi. Voilà, donc c'est bon. C'est un peu dans tous les sens, mais c'est génial. En fait, ouais, voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Julien, pour ton temps. Je sais qu'il est très valuable. Merci beaucoup. Et puis, bah écoute, je te souhaite hein, en tout cas beaucoup de courage, plein de bonnes choses là, pour la suite. Et puis, j'espère à très bientôt. En tout cas, bravo à toi. Tu as un parcours exceptionnel et j'admire beaucoup ce que tu fais. Donc, bravo encore et merci. Merci.